Bonjour tout le monde, petite vidéo comme d'habitude du lundi matin. Je suis content parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me mettent des chiffres sur le Facebook de Cabinet Medium à partir de dimanche soir 18h. Donc c'est sympa. Bien entendu, vous savez, je prends les 9 premiers chiffres, hein. Je vais pas prendre toute la liste des chiffres, ça sert à rien. Surtout que j'ai besoin que de 9 cartes. Petite précision, je rappelle que le site est fermé le dimanche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de se connecter le dimanche. Je suis désolé, mais bon, je suis tout seul, on n'est que deux à travailler pour l'instant sur le site. Il va y avoir des autres voyants, etc., qui vont venir travailler avec nous. Mais ça, on attend les réponses, enfin les mises au point avec le CNIL. C'est très bien que le CNIL, malheureusement, nous demande beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, les choses vont venir au fur et à mesure. Je vous rassure. Donc n'oubliez pas que sur le site cabinetmedium.fr, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Et qu'une seule chose qui est payante, c'est la voyance. Déjà, moi, je vous conseille un truc, c'est de venir sur le site, inscrivez-vous. Ça vous engage en rien et venez discuter avec nous, avec moi et ma compagne Virginie, sur les doutes que vous avez au niveau de la voyance. Ça vous engage en rien. Je vais pas vous réclamer votre numéro de carte bleue parce que vous venez sur le site. Loin de là. Mais au moins, ça va vous permettre de faire ma connaissance. Donc n'hésitez pas. Hein. Ça vous engage en rien. Je voulais remercier aussi tous ceux qui me suivent sur YouTube ou même sur Facebook. Pareil, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous risquez absolument rien. Le site est ouvert du lundi au samedi, un samedi sur deux. C'est-à-dire, il est ouvert le samedi, le deuxième et quatrième week-end du mois. Les autres, on est fermé samedi et dimanche. Premier, troisième, cinquième week-end du mois. On est fermé samedi et dimanche. Mais bon, le site ouvre à partir de 14h jusqu'à 23h, voire minuit. Ça dépend s'il y a du monde, s'il y a des gens qui posent des questions. On se fera un plaisir à y répondre. Vous inquiétez pas. Même au niveau des produits ésotériques, si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Venez sur le site. Virginie vous répondra à quoi ça sert. Savoir que ce soit les pierres, que ce soit les bâtons d'encens. Ils ont tous leur utilité. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai bougé la webcam de façon à ce que vous voyez le mélange et le tirage. Donc voilà. Impeccable. Désolé pour le téléphone. C'est un petit appel. Peut-être un rendez-vous. Donc je mélange le jeu. Comme d'habitude. Bon, moi personnellement, je suis très pessimiste par rapport à l'avenir. Hein. Vous le voyez aux informations, c'est de pire en pire. Quand on a vu ce qui s'est passé par exemple à Bobigny, ce qui s'est passé hier un peu partout en France, malheureusement, ça va empirer. Hein. Faut pas se voiler la face. Donc on m'a donné le 10. 4, 5, 6, 7, 8, 10. L'impératrice en vert. Bah bon. On m'a donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le monde en le la roue en vert. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de changement immédiat. Malheureusement. Le 7. La tempérance en vert. Alors, tout ça, vous voyez, comme les cartes sont à l'envers, c'est plutôt du négatif. Ça prouve malheureusement qu'on arrive dans une période où ça va être assez dur. On va donner le 13. 2, 3, 4, 5, 6. La tour en droit. Alors celle-là a plusieurs significations.
suivant les cartes qui sont autour, ça peut être par exemple la destruction. Moi, personnellement, par rapport à ce qui se passe, je ressens plutôt de la destruction. Le 17. 3, 4, 5, 6. 17. Le char en vert. Là, ça m'indiquerait plutôt des personnes qui arrivent. Je dirais malheureusement encore des migrants qui devraient débarquer. Le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Le diable. Le diable, c'est à l'envers, c'est que ça s'est fini, il n'y a pas de colère. Mais y a ce. Par rapport à celle-là, c'est-à-dire la tempérance, on est complètement lassé. On est on en a ras-le-bol. Il y a cette lassitude qui s'installe et qui fait que on se sent assez mal par rapport à la situation. Le 22. 5. Le battleur. Je dirais que par rapport à ça, il y a beaucoup de travail. Donc il y aurait beaucoup de travail à faire après justement ce qui est en train de s'arriver. Comme je vous le dis, ça fait quelques années que j'en parle, ça fait 2 ans que j'en parle, où on va arriver malheureusement sur une guerre civile, un affrontement qui va faire du vilain, quoi. On va donner le 19. 1, 2, 3, 4, 5. 19. Le pape en droit. Donc ça, moi, le pape, pour moi, c'est quelqu'un qui de important, quelqu'un qui, on dirait par exemple de, type par exemple Hollande. Moi, j'ai toujours ce sentiment qu'Hollande est en train de préparer quelque chose, je sais pas quoi, mais en train de préparer un gros coup qui va faire du vilain. Et le 9. Le soleil en droit. Donc voilà le tirage. Donc j'ai remis la caméra, hein, désolé. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je ressens pour l'avenir? Ben, il n'est pas triste, quoi. En deux mots, moi je ressens toujours cette guerre civile. Je ressens toujours ces attentats. Malheureusement, l'arrivée de migrants, encore et encore. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, l'Allemagne essaie de se débarrasser de ses migrants. Soit il les ramène au pays où bah, ils se sauvent et puis bah, en général, ils viennent en France. Et ça, plus ça va aller, plus malheureusement, il va y avoir ce problème de migration qui va se faire et qui va poser vraiment, vraiment, vraiment un gros problème. Et justement, c'est ça, cette lassitude, justement, il n'y a même plus de colère, il y a de la lassitude. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la tempérance avec le diable en vert. C'est que il y a cette lassitude qui est en train de se faire, mais qui en même temps, bah, chaque personne est en train de se dire, mais qu'est-ce que je. Moi, personnellement, je peux rien faire. Quelque part, un petit peu, on est tous un peu individualistes sur ce coup-là. Mais le problème, c'est que là, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, en l'occurrence Bobigny, Argenteuil, etc., etc., moi j'ai bien peur que si il y a un coup de feu quelque part ou il y a un mort quelque part, là on va vraiment partir en cacahuète. Je ressens aussi des attentats. Il y a toujours ces attentats qui nous pèsent au-dessus de la tête. Quand, j'en sais rien, il y a toujours. Voilà, mais je ressens qu'il y a des attentats. Et ça, c'est malheureusement inévitable, on va dire, quelque part. Et là, à mon avis, s'il y a vraiment un gros attentat quelque part en France, déjà dans une grande ville, Paris, Lyon, ou enfin bref, ou même des attentats simultanés, parce que ça, c'est faisable aussi,
où là, ça va vraiment partir, excusez-moi du terme, mais ça va vraiment partir en couille. Et là, bah, que ce soit la police, que ce soit les civils, malheureusement, on va tirer dans le tas. Il faut pas se voiler la face. Qui c'est qui va manger? C'est les musulmans. Même les musulmans qui se tiennent à carreau, si le problème, il va être là. Et donc là, ça va vraiment partir. Moi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avant les élections présidentielles. Quelque chose de grave. Et ça, quelque part, ça me fait peur. Et là, on est vraiment parti, on est parti sur la pente descendante, vitesse grand V, quoi. Ça va être, très, 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 très chaud. On va dire, avant l'été, ça va. Il va y avoir quelque chose de malheureusement très important. Je ressens aussi ce problème de chômage, encore, malheureusement. Comme vous avez pu le voir, il y a une semaine, j'avais annoncé qu'il allait y avoir encore des annonces de licenciement, de chômage. 2 jours après, mercredi, EDF qui a annoncé 4 000 licenciements sur 2 ans. Malheureusement, c'est pas fini. Avec l'ouverture des frontières, l'ouverture de l'Union européenne, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent travailler à l'étranger, c'est-à-dire en Pologne, etc. Et bah, au détriment des Français, quoi. Sans compter après le travail salarié décalé, c'est-à-dire qui sont par exemple polonais et qui viennent travailler en France, mais qui sont c'est les ouvriers polonais. Et toutes les charges, etc., sont payées en Pologne. Donc il y a tout ça qui joue que ben, le fait, tout ça, ben, ça va malheureusement nous emmener à une guerre civile. Et je ne le cache pas, et ça va faire du vilain. Donc voilà ce que j'avais annoncé. Malheureusement, ça s'annonce pas terrible, terrible pour la France. Bon, après, si vous voulez plus d'ample renseignements, bah, n'hésitez pas, venez en discuter sur mon site. Là, je vous discuterai en tant que voyant, mais aussi en même temps que, on va dire, civil, quoi. Parce que je ressens des choses qui sont pas terribles, terribles. Donc, je vous dis à tout à l'heure, 14 h, sur le site, hein, cabinetmedium.fr. Vous avez aussi la petite boutique de Virginie, faitésotérisme.com. Là, vous allez pouvoir trouver tous les produits qui peuvent vous intéresser. Il y a des bijoux, il y a des pierres, il y a des encens, il y a beaucoup de choses qui sont sympas, qui sont pas trop chères, puisque Virginie a essayé de faire des tarifs au plus bas pour justement pas que ça vous coûte trop cher. Et donc, si vous avez des problèmes, lui demander par exemple à quoi sert telle et telle pierre, bah, n'hésitez pas à venir sur le site et elle va vous répondre avec joie. Donc je vous dis à tout à l'heure 14 h.